Bonjour, Joanne Lavoie, conférencière bonheur, coach PNL et auteur à succès. Aujourd'hui, on est rendu à la stratégie numéro 29 de 100 stratégies gagnantes pour vivre heureux au quotidien. Donc, la stratégie 29, c'est de se respecter davantage en établissant ses limites. Ça, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, c'est un grand défi dans ma vie. D'apprendre à définir ses limites et à les respecter, c'est vraiment la base. Quand on ne les connaît pas, nos limites, c'est difficile de les faire respecter par les autres. Et quand on a la difficulté à gérer nos émotions et que nos limites changent en fonction de la fluctuation, ben c'est dur pour les autres de les connaître, nos limites. Donc, je vous invite vraiment à voir qu'est-ce qui est acceptable pour vous. Qu'est-ce qui n'est pas négociable au niveau de vos limites personnelles, au niveau de vos limites à travers votre famille, à travers vos amis et avec les gens avec qui vous travaillez, c'est important de prendre le temps de s'arrêter puis de se demander, OK, ça là, est-ce que c'est acceptable pour moi? Oui, non, des fois, ça dépend avec qui. Et ça là, à partir du moment où c'est clair pour vous, bien, de le mettre clair avec les gens qui vous entourent. À partir du moment où on les nomme, nos limites, c'est plus facile de les faire respecter par les gens qui nous entourent. Et quand on se sent respecté, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus facile dans nos relations avec les autres. Donc, la stratégie 29 de 100 stratégies gagnantes pour vivre heureux au quotidien, se respecter davantage en établissant ses limites. Beaucoup. Bonne journée.